Bienvenue à tous dans cette maison du conseil départemental, qui est la vôtre également. On vient d'effectuer les tirages au sort des huitièmes de finale de la Coupe départementale du Jura. Coupe qui est sponsorisée donc par le conseil départemental. Et chaque année, donc à l'occasion de ces huitièmes de finale, on se retrouve chez notre partenaire, le conseil départemental, pour faire ce tirage et remettre une tenue complète à chaque équipe qui participe à ces huitièmes de finale. Ce sont les équipes de 3e et 4e division. C'est un passage important parce qu'il valorise les équipes qui participent à ce tirage et il valorise aussi le partenaire et permet des échanges entre toutes ces personnes. Et c'est la richesse de ces échanges qui font que notre football va grandir et puis que les gens vivront aussi mieux ensemble. Il y a quelques derbies. On peut signaler le club de Montsou-Audrey qui avait deux équipes qui sont encore en 8e de finale. Nos règlements imposent à partir de ce tour, ils se rencontrent. On a aussi un beau derby, Chaudu-Dombier-Saint-Laurent, derby que j'avais presque pronostiqué à Madame Vespa, vice-présidente chargée des sports. Je crois que tout le monde aura à cœur de porter haut ses couleurs. On souhaite qu'on donne vraiment une belle image de notre sport, et je crois que c'est quelque chose de très important, le fair play, le respect des règles, le respect de l'autre, le respect de soi-même. Au départ, ça commence par là, et je crois que autant que le jeu, le fair play est important dans cet esprit de coupe que l'on veut véhiculer.